Ami Tabar, bien heureux de vous retrouver. Un abonné a écrit encore du Togo, je crois peut-être c'est le même. Hommage, est-il possible de contacter Mami Wata seul? Oui, il est possible de contacter cette entité-là, on va dire seule. Mais il faut être prudent. Voilà, il faut être très prudent parce qu'il y a beaucoup de rituels qui suivent dans la toile qui ne sont pas. Et moi, j'écoute parfois qu'on m'envoie, vous m'envoyez parfois certains rituels, Romarie, viens, c'est bon. Et vous, et voilà, en passant, vous qui prenez soin, vous partez d'abord faire des travaux ailleurs, là, vous partez, vous discutez ailleurs, et puis quand ça vous sentez que ça devient louche, compliqué, vous m'appelez pour savoir, Romage, voilà ce qu'il m'a demandé de faire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est bien, je veux plus vous répondre. Parce que je ne vous ai pas envoyé ailleurs. Ok? Quand vous avez la chance d'avoir des gens qui connaissent des choses, ok, on ne fait pas des choses, vous ne pouvez pas faire. Mes abonnés, on ne les arnaque pas. On ne les dupe pas. Parce qu'ils ont quelqu'un qui connaît ces choses-là. Donc, allez te faire. On va te donner des rituels et qui n'ont ni tête ni queue. Voilà. Et puis, tant que tu sens dans ton intellect que ça devient compliqué, que ce n'est pas cohérent, tu m'appelles après. C'est la dernière fois. Voilà. Tu te reconnaîtras. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est possible de contacter Mami Wata soi-même? Oui, c'est possible. Mais il y a des barrières ou encore il y a des sécurités qu'il faut faire. Première des choses, voilà, on ne convie pas Mami Wata quand on a une femme et des enfants à la maison. C'est interdit, ça ne se fait pas. Ok? Parce que vous allez la rendre ou rendre et il faut d'abord savoir si c'est elle qui vient réellement. Vous pouvez rendre cette entité, vous pouvez créer un appétit à cette entité-là. Première chose, si on vous dit de donner les œufs, c'est là pour tous ceux qui me suivent là, au bord de la mer, là, ne faites pas. Mami Wata ne prend pas les œufs. Je suis désolé, elle ne prend pas des œufs. On vous dit de donner des œufs de caille, les œufs tout blancs, ce n'est pas Mami Wata là-bas. La divine mère ne prend pas les œufs. Ok? Elle ne prend pas. Elle refuse tout ce qui amène à la mort. Ok? Celui qui prend les œufs, c'est l'esprit serpent, l'anaconda. Voilà, donc, ne faites jamais ça. Voilà. Ou encore, ne prenez pas un œuf, vous déposez là-bas, vous prenez un autre œuf qui sera comme une ligne téléphonique, vous partez déposer chez vous. Ça vous amène des problèmes. Ne le faites jamais. Je crois qu'on est clair là-dessus. Voilà. Troisième moment, je disais tantôt là, pour venir au deuxième point, ne faites jamais une invocation de Mami Wata avec ou une connexion, c'est ta question, c'est possible de faire soi-même, avec les enfants chez vous. Non. On le fait, c'est déjà dessus quand on est célibataire. Voilà. Et c'était ceux qui sont mandatés, c'est-à-dire vous partez voir un bel spirituel, un mambo, un ogan ou une prêtresse des eaux qui connaît ces rites-là, qui est initié par ces rites-là, qui peut vous mettre en contact sans danger avec ces entités-là. Oui, et là vous avez les enfants, ça c'est sans danger. Là, en fonction du rite qu'elle va vous faire, parce que vous allez aller seul, vous n'allez pas aller seul, là elle va vous amener à la plage, vous allez faire certains rites pendant une série de jours, elle ne prépare votre corps pendant une série de jours, le jour J maintenant, quand elle part de maintenant, vous présentez tout le reste, et puis voilà, il y a un cheminement, je ne peux pas tout dire ici, c'est comme ça, mais comme ça vous levez, ce n'est pas bon. Maintenant, je vous avais dit, on va contacter ces esprits en fonction des marées, les heures varient, et en fonction de la marée, vous devez savoir où vous partez ou vous ne partez pas. À partir de certaines heures, l'eau devient chaude. Quand la marée devient basse dans la nuit, à partir de 1 heure, l'eau devient chaude. Et là, il y a des entités spécifiquement qu'il faut, vous pouvez appeler. Vous pouvez l'invoquer à partir de cette heure-là. OK? Et là, il faut avoir le code invocatoire pour qu'elle puisse se manifester. C'est très important. OK? Maintenant, avant de l'appeler soi-même, il faut savoir ce qu'il faut offrir comme offrande. Comment tu prépares ton corps? Le corps, généralement, doit se préparer 7 jours avant. Sans rapport sexuel. Ça, c'est quand tu veux, quand tu veux que la divine mère des eaux vienne vers toi. Tu prépares ton corps 7 jours avant. Pas de rapport sexuel. Tu vas et il y a une tenue. Elle ne soit pas le noir. Non. Le blanc, le rouge, le jaune, le vert, d'autres tenues, mais pas le noir. Ce que vous allez voir en noir par la côté des eaux sont des prophètes ou encore des prêtres d'une autre discipline. Mais toi qui n'as rien, aucun mandat, tu ne peux pas porter le noir pour aller l'invoquer. C'est très mauvais. C'est pour ça que vous allez voir que toute la même marée du monde entier porte le blanc. Du monde entier. Il n'y a pas une même marée qui porte le noir. Tous sans exception portent le blanc. Ça a son honneur. Parce que ceux qui se portaient avant, avaient des naufrages. Les bateaux se renversaient et puis c'était sur le blanc.
Donc faites attention. Maintenant, une fois que c'est donc fait donc maintenant, vous allez donc maintenant vis-à-vis, vous allez maintenant donc calculer le jour adéquat par rapport à la lune. Vous allez donc maintenant avec vos accessoires, ça peut être des parfums, ça peut être des offrandes, parce qu'il y a d'abord des offrandes que vous allez lui offrir. Il faut caler les offrandes. Une fois que tu as les offrandes, tu donnes les offrandes. Les offrandes, généralement, ça se met au bord de la plage, au bord du ruisseau, au bord, c'est pas tout du fleuve. On ne jette pas à l'intérieur de l'eau, on le met au bord. C'est vrai qu'il y a des rites où on jette dans l'eau. Quand on va, on marche, on jette. Mais ça, c'est quand vous êtes accompagné d'un initié. C'est-à-dire, l'initié, vous avez tout préparé, vous partez, vous pouvez jeter. Mais quand c'est vous-même, vous ne jetez pas. Vous mettez au bord de l'eau. OK? Vous devez savoir les offrandes qu'elle affectionne. OK? Vous déposez donc maintenant ça. Cela va revenir à partir de là. Et même quand vous commencez à faire ce mantra caché, ou vous commencez à l'appeler, les vagues vont s'élever. Dès que vous commencez à parler, ok, dès que vous faites le premier jet d'offrande, d'abord le fruit, les vagues s'élèvent. Oh, ça commence à vous taper les pieds, ça commence à monter. Puis vous jetez, de toute façon, on jette avec des nombres, vous jetez en fonction des nombres que vous voulez. Ça peut être 7 jets, ça peut être 21 jets, ça peut être 44 jets, ça peut être, en fonction de ce dont vous voulez. Les vagues augmentent. Ça fait peur, c'est vrai. Ça, c'est quand vous êtes en pleine mer. Au bord de la mer, à une certaine heure, ça fait vraiment flipper. Les vagues augmentent. Ok, vous finissez donc. Et puis, vous déposez dans vos offrandes avec un tissu blanc, généralement. Vous partez. Donc, ça peut se faire soi-même. Et il y a d'autres techniques aussi, vous pouvez le faire, mais ça, c'est pour ceux qui habitent près de la plage, auprès des cours d'eau. Là, il faut juste une bobine de fil, une grande bobine de fil blanche. Ok, vous allez imbiber un parfum comme Arousarabia, pourquoi pas. Arousarabia, un parfum Mayuata. Vous imbibez en plus, et puis vous voulez le premier bout, vous mettez votre salive dessus. Ok, vous enroulez, vous faites 7 nœuds. Vous jetez ça au bout de l'eau là-bas. Ok, vous pouvez le jeter avec une poupe attachée sur une pierre. Vous jetez ça pour que ça tombe au bord de la plage. Maintenant, le fil doit être mouillé de tous ces parfums. Et il doit bien mouiller. Parce qu'il y a un endroit où ce n'est pas mouillé, ça coupe le sucre, ça fait un coup circuit. Des fois, vous achetez même 2 ou 3 bouteilles, vous savez, qui vont bien se tremper dans ces bouteilles-là. Ou vous mettez dans une petite bol, vous trempez ça, que ça soit complètement bien mouillé. Alors maintenant, vous déroulez, vous prenez votre temps. Ça ne va pas se couper. Vous déroulez jusqu'à arriver au bout de votre chambre, ok, vers le chevet de votre oreiller, vous déposez. Ok, une fois que c'est fait, maintenant vous parfumez la maison, vous mettez quatre pots de fleurs aux 4 coins de la maison, ok, en bas de l'eau, en bas de votre lit, vous mettez une bassine d'eau blanche, idéalement bleue ou blanche. La bassine d'eau doit être bleue ou blanche. L'eau doit être salée. Vous devez prendre l'eau de cette rivière-là ou de ce fleuve-là. Vous allez mettre un bon parfum avec une tige de rose. Vous couchez donc maintenant dans des draps de tout blanche. Ok? Vous n'allumez pas de bougie. Pas de lumière artificielle. Vous dormez dans le noir total. Elle viendra. Mais, il faudrait que vous sachiez ce que vous allez lui dire avant qu'elle vienne. C'est très important. C'est pas qu'elle est venue commencer à bégayer, ce que je voulais voir, c'est elle est venue vrai. Vous n'êtes pas vous réveiller le matin. Si vous n'avez pas de chance, c'est des trucs qu'on ne rigole pas avec. Donc avant que vous ne fassiez ça, c'est pour l'effort, vous devez savoir ce que vous allez lui dire. Vous allez lui dire pourquoi vous êtes venu. Et je tiens à souligner, c'est que ce n'est pas tout qui va me rendre riche. Il y a ceux qui ont fait ces rituels qui ne sont pas riches. Elle peut appeler quelqu'un d'autre ou une pied plus élevée qu'elle qui peut vous apporter la richesse. Parce que beaucoup en font ça parce qu'ils veulent la richesse. Je sais qu'au fond de toi, c'est la richesse. C'est la pensée, c'est ta tête, c'est que tu veux l'argent. Mais un argent facile que tu n'as pas travaillé, c'est très compliqué. Parce qu'elle le sait, mais si elle ne le dit pas, elle sait pourquoi tu l'appelles au fond. Voilà. Donc il faut faire très gaffe. On ne ment pas ses esprits. Elle saura, elle sait pourquoi tu l'appelles. Tu as beau faire semblant, mais elle sait pourquoi. Si tu es un artiste que tu veux la célébrité, tant mieux. Si cela dépasse, elle va faire appel forcément à quelqu'un d'autre qui te donnera cette célébrité-là. Mais il y aura des conditions. Et là, ta vie change. Tu ne seras plus la même personne.
Donc, avant de faire appel à certaines entités, il faut bien savoir pourquoi vous les faites appel. Le plus important, c'est la préparation. Comment est-ce que tu prépares? On est à combien de minutes déjà? Comment est-ce que tu prépares ton corps? C'est très important. Et j'ai dit, tu as dit que ça va avec le jeûne. Le jeûne va ici de 3 à 7 jours minimum. Pas de rapport sexuel, pas de cigarette. Tu vas donc maintenant avec elle, étant propre, tu as tes offrandes, tu as tes sacrifices. C'est comme ça. Par contre, tu vas avec l'intention de faire maintenant un sacrifice de bélier ou un sacrifice de taureau, d'anglo et tout le reste. C'est plus la divine mère que tu appelles. Tu appelles une autre forme d'esprit. C'est quelqu'un d'autre que tu appelles. C'est comme ça. Donc, faites attention. Moi, n'est pas ce que vous croyez. Donc, c'est possible de faire ce rituel soi-même, mais il faut bien encadrer, il faut bien savoir sur quoi tu t'embarques avant de faire ce genre de choses. Ok, donc Amitabha, vous, Otep, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est au Ramach depuis le 237. C'est la fée qui gagne. Aigle.